L'été arrive, les gars. Ça ne t'est pas qu'il fait trop chaud? Moi, je me ventile comme je peux, hein. Mais vraiment comme je peux. Alors, les amis, vous l'avez compris, dans cette liasse, il y a 930 euros. Ces 930 euros, je les ai gagnés uniquement en écoutant les pronostics de Gros Monnaie. Son snap, il s'affiche juste en dessous. Rajoutez-le en masse. Voilà, ça c'est tout l'argent qu'il m'a fait gagner. J'ai compté et au total, il y a 930 euros. Voilà, sur le compte de l'État. Alors bien sûr, j'ai gagné en écoutant ses pronostics, mais aussi en faisant attention à mes mises et en écoutant bien ses conseils. Je ne vais pas vous en dire plus sur Gros Monnaie. Vous n'avez plus qu'à le rajouter ici. Son snap s'affiche, vous faites pause, vous snappez son code et vous le rajoutez sur Snapchat pour avoir de bons pronostics. Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça ne sera pas une vidéo comme les autres. Cette vidéo est entièrement sponsorisée par SportK13. Leur snap s'affiche ici. Je vous invite à les rajouter car c'est grâce à eux que vous allez voir cette vidéo. Donc, grâce à SportK13, j'ai pu louer une voiture haut de gamme qui est une RS7 avec 700 chevaux sous le capot et reprogrammée. Avec cette voiture, je vais faire semblant de tomber en panne dans un quartier chaud de Marseille pour voir la réaction des jeunes. Est-ce qu'ils vont m'aider ou est-ce qu'ils vont être tentés à me voler? Si tout le long de la vidéo, vous voyez le Snapchat de SportK13, c'est normal car c'est eux qui ont financé cette vidéo. Est-ce que les réactions vont être bonnes? Est-ce que les réactions vont être mauvaises? Que s'est-il vraiment passé? Vous allez l'apercevoir dans cette vidéo et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Et n'oubliez pas de rajouter SportK13 pour les remercier et pourquoi pas louer une voiture si vous avez envie de frimer. A toutes. Bon voilà les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, je suis en compagnie de mes frérots. Petite intro pour leur Insta. Tout de suite. Rajouter sur Insta, rajoutez-les, ça me fait plaisir, et à eux aussi. Donc aujourd'hui, on a loué la voiture à un ami à moi, son snap il s'affiche juste en bas, n'hésitez pas à le rajouter parce qu'ils ont des caisses énormes. Aujourd'hui, on est en présence d'une RS7, d'accord, c'est pas n'importe quelle voiture, c'est l'une des berlines les plus puissantes au monde. Donc là, on va faire semblant de tomber en panne dans un quartier pour voir la réaction des jeunes. Est-ce qu'ils vont être tentés à nous aider? Est-ce qu'ils vont être tentés à voler la voiture? Est-ce qu'ils vont être tentés à faire autre chose? Je n'en sais rien et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est un moteur V8 avec 4 roues motrices. J'ai pu voir le son d'intérieur, c'est un son Bose. Très agréable à conduire, très très puissante aussi, vous le verrez pendant que je parle. Il y a aussi le coffre qui se ferme tout seul, ça c'est un petit kiff que j'ai kiffé. Il y a aussi le... Enfin, il y a plein d'options que vous voyez dans la vidéo au moment où je vous parle. Justement, on va rentrer avec cette voiture dans le quartier pour voir la réaction des jeunes. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion et pour voir comment les jeunes ont réagi face à ce problème. Les amis, la dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, allez checker la chaîne Twitch de mon ami. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont allés. Et là, je ne comprends pas. Donc si vous montrez que la communauté Kamoff, elle est plus puissante que n'importe quelle communauté, s'il vous plaît, allez rejoindre le frangin. Captain Cedroc. Captain Cedroc, ça s'affiche juste en dessous. Merci de me le rappeler. Allez le rejoindre parce que des fois, enfin souvent même, je joue avec lui quand on fait des jeux sur Fortnite, tout ça. Je joue avec lui. Il faut qu'il ait un minimum 1000 abonnés. Sinon, c'est simple. Moi, je ne sors plus de vidéos, les gars. Je ne sors plus de vidéos s'il n'a pas 1000 abonnés. Ça s'affiche en dessous. Vous allez sur Twitch. Captain Cedroc, il joue en ligue. Il n'est pas très très fort, mais il joue en ligue. On va leur demander hier, quoi. Ça m'entend en panne. Attends, je me mets en point mort maintenant. Attends. Je vais éteindre le contact. Putain. Putain. Putain, qu'est-ce qu'il fait, Rouge? Je sais pas, ouais, je sais pas ce qu'elle a. On fera la pousse, on faisait moins la pousse. Ouais, viens la pousse. Hein. Ouais, je crois que je suis en panne, gros. Oh, t'en mets en panne d'essence avec ça.
Ça va les gars, excusez-moi de vous déranger. On est tombé en panne. Je crois que je tombe en panne d'essence. Comme c'est pas ma voiture, j'ai pas. C'est bien ta voiture. Merci. Ouais, un beau moteur. Ouais, ouais c'est R7. C'est, vous habitez ici? Y'a pas quelqu'un qui pourrait nous dépanner un peu de. Pardon? Sur je tombe en panne. Je viens de tomber en panne là à l'instant. Ça marche fort ça, non? Ouais. Ça tient chaud. Ouais, c'est énorme. Je peux voir l'intérieur. Vas-y, y'a pas de soucis. Oh, tu es où, frangin? Je suis là, de la rose, moi. J'habite à la rose. À la rose? Ouais, pas loin, c'est à côté. Y'a quelqu'un d'entre vous qui aurait un petit bidon? Une connerie, tu vois, ouais, un bidon pour. Transporter de l'essence? Au lieu de la pousser, tu vois ce que je veux dire? Genre ici, y'a pas de station de ici. Ah ouais? Et y'a personne d'entre vous qui a un scooter, un truc comme ça, qui peut nous dépanner? Comme on donne quoi, frangin, dans l'histoire? Nous on est là, on est posé, on fait un service. Frérot, après moi je peux la garer. Je la pousse, c'est un problème. On essaie pas de la garer parce que là tu gênes un peu. Moi tu regardes. Ouais, on la pousse et. En fait, je peux pas démarrer la voiture et si j'ai les clés. Tu vois, c'est les clés comme ça. Mais tu sais ce qu'on fait, gros? Ça te dérange pas, juste je monte dans la voiture. Ah, c'est vraiment moi. On la pousse, après on la gare. Si vous voulez la voir un peu, y'a pas de soucis. Non, je t'aurais bien trouvé une solution, mais moi, je pense que je vais pas faire ça. Dis-moi, non, c'est quoi ta solution? Si tu veux, je vais chercher de l'essence, tout ça. Mais je le sais, frangin. Allez, si, je peux pas, frangin. C'est pas contre toi, ça aurait été la mienne. Je suis d'accord avec toi, mais je peux pas, tu vois. Si tu me rends service, je te défauche un billet, tu vois ce que je veux dire, normal, frère. Ah, c'est mon temps de faire utiliser, j'ai une caution, il y a 8000 euros de caution. On travaille ici, frangin. Vas-y, yeah. Bateau. J'essaye. C'est un bateau, là. Merci. Soit je la pousse. Et on se débrouille parce qu'on est, ça va, on est assez nombreux. Soit vous me rendez service, comme je t'ai dit, je te défauche un billet. Ou... Genre, je n'ai pas besoin de ton billet, moi. C'est moi comme je t'ai dit. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est tu montes avec moi, on fait un tour. Je crois que je suis petit ou quoi? Moi, je veux conduire, frangin. Voilà, moi, après, la faire conduire, je peux pas, poto. Je te dis honnêtement, j'ai une caution de 8000 euros, c'est pas ma responsabilité, je peux pas. Je te dis honnêtement, je peux pas. Il y a le moindre truc dessus. Enfin, c'est quoi, tu crois qu'on craint ou quoi? Frérot, après, je vais conduire une grosse voiture. Après, non, après. C'est pas une chevaux, c'est pas. Alors, même si tu veux 800, la voiture de là. Si tu veux la conduire, c'est vraiment, elle est exceptionnelle, la voiture. Ouais, ça, d'accord, ça. Mais tu auras 50 000 euros, frérot. C'est pas exceptionnel, on est des banditos, frère. Vous tombez en banque, notre parti. Là, on vend, on veut un cadeau, nous aussi. Logique. Bref, je vais chercher le bidon, on parle. Je comprends tout à fait, ouais. Je comprends tout à fait. Il a laissé sa caution, imagine, tu touches, comment on fait. Vas-y, vous savez quoi? Je vais chercher le bidon, on parle après, c'est bon? Vas-y, si tu veux. Putain, j'avais un bidon, c'est de mon cross. Y'a pas beaucoup d'essence, mais tu peux démarrer, moi. Tu penses? Ouais. Mais comme ça. Mais au moins il peut démarrer, c'est déjà ça. Tu veux quoi? La station. Bref. On a dit on va parler, maintenant qu'on va parler. Je te ramène l'essence, c'est pas gratuit, je te ramène l'essence, c'est de mon cross. C'est pas gratuit, mec. Moi, j'ai pas besoin de tester, moi j'ai envie de conduire. Tu as un R7 entre les mains, il fait la 700 chevaux sous le capot, j'ai envie de conduire. Tu as posé la même question, tu es d'accord avec moi? Ouais. Ta voiture est pas plus, sinon on la casse maintenant. Tu es dans l'autre quartier, vous êtes quoi? Vous êtes 4? Ouais, combien si je veux siffle, ils viennent tous. Si je veux siffle, ils viennent tous. Tous les petits du quartier, ils vous font hagar maintenant. Alors on fait comment maintenant? Je sais pas, je viens chercher le bidon, ça commence à faire le voyou, ton collègue s'est pas parlé depuis tout à l'heure. Non, fais comment? Ils prêtent pour des petits. Non, mais en fait, tu veux quoi, Fajet? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu parles petit, pas petit. Tu veux quoi? Je te parle sérieux là. Juste, je vais te dire un truc, c'est que maintenant, si vous êtes des vaillants, on est 4, on se bat 4 contre 4. Si vous voulez, on peut-être maintenant. En plus, tu commences à faire le voyou. C'est pas si c'est un voyou, c'est que je suis un homme. Frérot, je suis un homme. Je vais pas. Vas-y, rentre. Arrête de faire le voyou, je vais te soulever, toi. Je vais te soulever, t'as compris? Bâtard. Toi, lève tes mains. Les gars. Stop, c'est bon. Arrête, frérot. C'est bon, y'a rien, y'a pas de problème. Les gars, je suis venu juste ici, moi. Je suis venu demander. Je sais pas, vous faites les voyous, vous venez dans notre quartier, vous faites les voyous. Quel voyou, frérot? Je suis tombé juste en panne, poto. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, on bouge tout de l'avant, puis je prends pour un camp, y'a de l'essence. Je sais pas, gros, tout à l'heure elle démarrait pas la voiture. Tout à l'heure elle démarrait pas la voiture. Bah maintenant fais comment? La voiture elle descend, en plus tu me prends pour un con? Gros, la voiture elle démarrait pas tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle a. Regarde-moi, appelle les Condé de suite. Parce que là, c'est de notre quartier, vous êtes droit, vous êtes moi. C'est nous on t'autorise à marcher. Donc si on peut prendre le R7, on fait ce qu'on a envie, tu as compris?
Écoute, moi je voulais juste. Tu me demandes quoi? Non, mais pourquoi? Non, mais en fait, je comprends pas la mentalité. Tu peux t'en prendre à ton collègue, c'est lui, il a commencé à faire le voyou. C'est lui, il a commencé à faire le voyou. Du coup, tu t'en prendras à lui. On parle au-dessus. Non, non, c'est pas là au-dessus. Arrête, 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 arrête. C'est bon. On va se faire tuer pour rien. C'est bon. Il y a les condés, Ils sont là, c'est eux. C'est des voisins qui nous ont prévenus du balcon là. Ouais. Et ils nous ont dit comme quoi il y a des problèmes avec la voiture. En fait, je tombe en panne ici. Ouais, je te mets d'aide. Des jeunes de m'aider. D'accord, c'est ça. Très vite dégénéré parce qu'ils étaient 50 et je me passe pas la voiture, on va te la voler. Moi, j'ai pas voulu. Et fatalité, juste au moment où ils ont commencé à partir, vous êtes arrivés en voiture et ils sont partis en couple. Ouais, mais c'est des mecs d'ici, sûr, c'est bien. Sûr et certain. Prendre sa déposition, si vous portez plainte, si vous faites quoi. Non, portez plainte, non, je porte pas plainte, mais voilà quoi, je veux dire. C'est. Bon, c'est assez heureusement. Vous étiez là parce qu'il. Partez avec la voiture. Merci beaucoup, monsieur. Je vous donne ma carte d'identité de suite. Hein. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Comme vous avez pu l'apercevoir, au début, les jeunes étaient prêts à m'aider, mais en échange, ils voulaient que je leur fasse conduire la voiture. Moi, je ne pouvais pas accepter ça car il y a pratiquement 8000 euros de caution sur cette voiture et le moindre pet ou la moindre rayure pouvait me coûter une tonne. Ils ont donc pas trop apprécié que je leur dise non et au final ont tenté de me voler la voiture. Heureusement que la police est arrivée à ce moment-là et je les remercie. Il y a des voisins qui ont alerté la police et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai pu ramener la voiture à Sport Car 13 et pas avoir de problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rajouter, je le répète, Sport Car 13 sur Snapchat, car c'est grâce à eux que vous avez pu voir cette vidéo, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir une belle voiture, et c'est grâce à eux aussi qu'on a pu avoir cette idée et la réaliser. Si vous aimez notre marque de vêtements et si vous voulez la porter, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y a des habits pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes. C'est assez complet, n'hésitez pas à y faire un tour et vous verrez par vous-même. Si vous voulez une deuxième partie, vous allez dans l'onglet communauté, vous le mettez dans les commentaires si vous en avez envie et on fera une deuxième partie avec une autre voiture et avec un autre concept si vous le voulez ou sinon on garde le même concept et on fait exactement la même chose mais dans un autre quartier pour voir les réactions. Faites attention à vous et n'allez pas dans des endroits que vous ne connaissez pas avec de belles voitures. Faites attention à faire l'essence aussi pour ne pas avoir ce genre de problème. Et en attendant, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Clamoff, à mercredi prochain et gros bisous à tous. Ciao.